Salut mes amis de Pixel, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode 6 des Bionicon Z6, nous allons nous pencher sérieusement sur le sélecteur de mode. Alors, pour commencer, le sélecteur de mode est cette molette ronde que vous ne pourrez faire tourner qu'en appuyant d'abord sur le bouton central et en tournant ensuite la molette. C'est une sécurité pour éviter par exemple de changer de mode inopinément. Sur cette molette sont regroupés tous les modes de prise de vue. Commençons par le mode auto, mode où il suffit de viser et de déclencher. Le Z6 règle l'exposition et la teinte de votre image. Par contre, chose que je n'ai pas vue sur le manuel de référence, vous pouvez même en auto appuyer sur le bouton ISO et en tournant la molette principale vers la droite, sortir du mode auto et indiquer une valeur ISO manuellement. Il vous suffira de tourner à nouveau la molette vers la gauche pour à nouveau sélectionner le mode ISO auto. Ça fait beaucoup de nouveaux tout ça. Hein. Souvent j'entends dire qu'en mode auto on ne gère rien et que le boîtier shoot à sa manière, c'est vrai d'une certaine façon, mais pour le coup vous voyez qu'en mode auto, vous pouvez influer sur les ISO ainsi que sur les modes autofocus et les collimateurs. Ce qui, comme vous le voyez, vous donne quand même une certaine latitude malgré le mode auto. Et donc là, pour le coup, il ne fera pas la mise au point où il le souhaite, mais c'est vous qui prendrez la main. Vous, là. Hein. En mode auto, le Z6 va également choisir la balance des blancs et vous n'aurez pas la main à ce niveau-là. Donc si vous shootez en RAW, ça va, mais en JPEG, vous aurez donc à la suite des soucis pour régler finement la balance des blancs et surtout sans perte. Ensuite, le mode P. Là, le Z6 règle la vitesse et l'ouverture. Et vous avez, comme dans le mode auto, la main sur les ISO. Vous pourrez aussi régler la correction d'exposition, les modes autofocus et les collimateurs. Tout comme pour les réglages de balance des blancs et pour les modes de mesure de lumière. Dans ce mode P, si vous tournez la molette principale, vous allez pouvoir sélectionner des combinaisons de vitesse d'obturation et ouverture. Cette fonctionnalité s'active normalement en tournant la molette principale. Mais pour ma part, c'est la galère totale. La fonction répond très mal. Mon cas, franchement, est peut-être particulier, mais je n'arrive pas à désactiver cette fonctionnalité, hormis en redémarrant le Z6 ou en changeant de mode pour revenir ensuite en mode P. Et c'est aussi merdique en live view qu'en visée à l'œilleton. Il n'y a aucune précision au niveau de la molette et certaines fois, il faut tourner très rapidement la molette plusieurs fois pour arriver à changer de couple de réglage. Je ne vous parle pas du truc quand vous activez les ISO auto car ça ne fonctionne carrément plus. Bref, pas du tout au point. Donc là, messieurs les ingénieurs Nikon, soit j'ai loupé un truc, soit une mise à jour réglera le souci. Hein ? C'est donc un mode automatique mais qui vous permet quand même certains choix lors de la prise de vue. Passons au mode S, priorité vitesse. Comme son nom l'indique, vous pourrez choisir la vitesse d'obturation et le Z6 sélectionnera l'ouverture automatiquement afin d'obtenir les meilleurs résultats. C'est un mode à utiliser en priorité quand vous aurez besoin de figer un mouvement ou le rendre flou. Dans ce mode, vous aurez la main sur tous les autres réglages du Z6. La vitesse d'exposition aura plusieurs effets, avantages ou inconvénients sur vos photos. Un tuto y sera dédié vraiment pour rentrer en détail dans cette fonctionnalité-là, mais là, juste histoire de dégrossir, vous pourrez en shootant avec la vitesse d'exposition éviter le flou de bouger du photographe, donc de vous-même. En général, on conseille une vitesse équivalente à la focale choisie. Donc en gros, si vous shootez avec un 50 mm, préférez une vitesse d'au moins 1/50 de seconde. Avec un 200 mm, 1/200 de seconde seront conseillés, etc. C'est simple. Après, si vous shootez avec un APS-C, c'est un peu différent. Mais bon, là, on parle du full frame. Après, si votre objectif est stabilisé et que vous avez une bonne position de maintien de votre réflexe, vous pourrez faire des photos sous les vitesses d'exposition conseillées. Ici, par exemple, à f4, 70 mm, j'ai shooté à 1/80 de seconde, la vitesse conseillée. Ce qui fait que j'ai été obligé de monter à ISO 320, alors que pour la photo suivante, je voulais shooter à ISO 100 pour avoir la meilleure qualité. Du coup, il a fallu baisser ma vitesse d'exposition à 1/25 de seconde. Et pour la dernière, j'ai shooté toujours à main levée à 1/15 de seconde. Et la photo est plutôt pas mal du tout. La stabilisation 5 axes du Z6 équipée du 24-70 f4 est très bonne. Vous pourrez, en jouant avec la vitesse d'exposition, figer le mouvement d'un modèle qui bouge, d'un chien, d'un oiseau, une voiture, etc., etc., tout ce qui bouge. Et là, il va falloir augmenter votre vitesse d'exposition. A savoir que pour figer un mouvement lent,
genre une personne qui marche, il vous faudra la régler à environ 1/250 de seconde minimum. Mais si vous shootiez avec un objectif 500 mm, je vous laisse calculer à quelle vitesse vous devriez être. Ensuite, pour un mouvement plus rapide, non, je vous le dirai pas. Pour un mouvement plus rapide, comme un coureur, un canard qui court, un vélo, il faudra au moins être à 1/500 de seconde. Pour des voitures ou sujets rapides, entre 1/1000 et 1/2000 de seconde. Pour shooter un oiseau en vol, une moto, un sportif rapide, il vous faudra compter entre 1/2000 et 1/4000 de seconde. Et au-delà de ça, ça vous servira à figer un mouvement très rapide, comme les pales d'un ventilateur qui tournent par exemple. Bon, super idée quoi. Sans deck. Vous pourrez également faire des pauses longues, de 1 seconde, 30 secondes et plus, afin de donner un effet spécial aux cascades, mouvements d'eau, afin de prendre une place bondée de monde et en exposition longue, les personnes disparaissent pratiquement de votre photo, etc., etc. Vous voyez donc que la gestion de la vitesse d'exposition vous permettra de nombreuses choses. Et là, je suis en train de me dire que je parle beaucoup avec ma main. Là. Il y a ma main qui bouge toute seule en dessous. Je ne sais pas si vous la voyez, mais elle me gêne moi en fait. Joke. En mode A, priorité ouverture. Vous choisissez l'ouverture et le Z6 sélectionne la vitesse d'obturation automatiquement, ce qui aura pour effet d'obtenir rapidement les meilleurs résultats. L'ouverture est en lien avec le diaphragme de l'objectif. Plus le diaphragme est ouvert, plus la quantité de lumière pénétrant jusqu'au capteur du Z6 sera importante. A contrario, plus le diaphragme sera fermé, moins la lumière qui pénétrera sera grande. Le tout influencera l'exposition de votre photo. L'ouverture va vous permettre de faire des photos avec une faible profondeur de champ, ce qui mettra en avant le regard du modèle en floutant ce qui se trouve devant et derrière, en arrière-plan. D'autre part, en fermant votre ouverture, vous aurez une plus grande profondeur de champ et donc une plus grande zone de netteté dans votre image. Pour du paysage, par exemple, ça peut être pratique, comme également pour les photos d'immobilier où vous allez devoir photographier un bâtiment de grande taille que vous devrez capter dans son entièreté, de façon nette. Ah, c'est mieux. Ça dépend. Après, on peut faire des photos artistiques avec une mise au point sur un endroit particulier. Mais bon, pour le coup, là, on parle vraiment d'une photo avec le bâtiment entièrement net. L'autre intérêt de l'ouverture est surtout d'avoir un objectif qui ouvre beaucoup. F1.2, F1.4, F1.8 ou F2.8. C'est de vous permettre de photographier dans des environnements où il y a peu de lumière et donc d'éviter de monter trop haut en ISO ou de devoir utiliser un flash. Mais sachez quand même qu'avec un objectif 1.4 dans une pièce très peu éclairée, vous ne ferez pas de merveille non plus. Là, avec mon Z6 et son 24-70 f4 à 70 mm et f4 en ouverture, j'ai fait la mise au point sur le logo EX Sigma de mon objectif. Et pour prendre cette photo à f4 1/100 de seconde, j'ai dû monter à ISO 2000. Même photo faite avec mon Sigma 85 1.4, mise au point au même endroit, même réglage, hormis l'ouverture qui passe de f4 là à f1.4. Donc là, on gagne en termes d'exposition 3 diaph, ce qui m'a permis de descendre mes ISO à ISO 400 au lieu de 2000 à F4. Donc là, c'est vraiment un gain évident en qualité d'image. Ça serait la même chose si c'était une personne qui parle à table, mais là, il faudra encore monter en ISO. Là, on imagine que mon objectif est une personne et que pour être sûr de la figer, je vais shooter à 1/200 de seconde. Eh bien, à 1/200 de seconde et F4, en ouverture, je vais devoir monter à ISO 5000. Alors qu'en ouvrant à f1.4, je peux shooter à ISO 500 et ainsi garder en qualité. Par contre, comme vous aurez pu le constater, la profondeur de champ à f1.4 est très faible. Donc ne pensez même pas faire une photo de portrait serré avec deux personnes dans le cadre à f1.4, en souhaitant avoir les visages complètement nets. Parce qu'en étant à 2 mètres de votre sujet avec un 85 mm f1.4, la profondeur de champ sera de 4,4 cm. Alors qu'à 70 mm et f4, vous aurez presque 20 cm donc de profondeur de champ. Ce qui fait que si les visages sont l'un à côté de l'autre, vous aurez toutes vos chances que les yeux de vos modèles soient nets. Vous aurez donc aussi la solution de reculer afin d'agrandir la profondeur de champ ou d'utiliser un flash afin de pouvoir fermer le diaphragme. Ça peut être une solution aussi. Passons au mode manuel. Là, ce n'est pas compliqué. C'est vous qui gérez l'ouverture, la vitesse et les ISO. Donc ma future vidéo au sujet du triangle d'exposition devrait vous plaire. Le mode manuel me sert dans des situations particulières où je ne souhaite pas que mon boîtier en fasse à sa tête, tout simplement. Par exemple, en photo de nuit, en photo de studio au flash, photo de produit, photo de macro, etc. Sinon, je suis très souvent en mode A ou S, ce qui me convient parfaitement et ce qui convient au sujet que je photographie. Après, voilà, c'est vraiment selon notre
propre façon de faire des photos et selon ce qu'on photographie, vraiment. Combo que j'utilise aussi régulièrement, c'est le mode manuel en ISO auto. Du coup, je gère la vitesse, l'ouverture et le boîtier se charge des ISO. J'indique par contre une limite d'utilisation des ISO afin qu'ils ne montent pas trop haut non plus. Et ça, vous pourrez le régler en allant dans menu, là, prise de vue photo, puis réglage de la sensibilité. Là, vous allez pouvoir indiquer une sensibilité maximale. Pour ce qui est des réglages U1, U2 et U3, afin de ne pas rendre cette vidéo trop longue, je vais vous faire un tuto dédié. Un dernier conseil, si vous êtes en reportage animalier, en photo de rue, ou vous souhaitez capter des choses impromptues, avant d'éteindre votre réflexe, prenez l'habitude de le placer en mode auto. Car si par exemple vous devez sortir votre Z6 et shooter immédiatement sans réfléchir et en moins de 2 secondes, vous serez en capacité de faire une photo. Alors peut-être pas la plus belle car le boîtier sera peut-être monté trop haut en ISO, mais qu'est-ce qu'il vaut mieux? Aucune photo ou une photo d'une chose rare de qualité moyenne? Moi j'ai ma réponse. Voilà mes allumés de pixels, j'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. Mais ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Alors sortez et shootez. Bye !